Il est 10h25 et je suis dans la voiture, j'attends Chéri qui est à la poste. Après, on passe à la pompe à acheter du tabac et on va en Allemagne, à Perl, pour aller chez DM. Voilà, tout simplement parce que j'adore ça et on n'y va pas très souvent, on est à 40 minutes, donc c'est pas non plus un truc de fou. Mais on adore les produits de là-bas et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. C'est limite moins cher que chez Action. Il y a deux jeunes qui se coursent en plein milieu de la route, là. Normal. Tout à fait normal. Donc, je vous filmerai un petit peu le magasin. Je pourrais pas, à mon avis, parler parce que, à mon avis, ça va être blindé. C'est toujours blindé, de toute façon, et encore plus ce samedi. Donc, je verrai bien. Mais comme ça, je vous montrerai le magasin parce qu'il est très beau celui-là. On avait été dans un autre une fois, il n'était pas beau, pas. Enfin, ça faisait vieux, quoi. Vieux et mal rangé. Celui-là, c'est vraiment pas le cas. C'est tout beau à l'intérieur, tout neuf. Et comme ça, vous verrez les prix surtout, parce que les prix sont vachement intéressants. Genre, ma patine, je la paye à 7,95 € à la place de 12. 12-14 € ici en Belgique ou en France. Qu'est-ce qu'il y a encore? La colle pour les dents, je ne sais plus le prix, mais par rapport à Fixe Dents, c'est juste incroyable. Et elle est encore mieux. Les gels douche, ils sont à moins d'1 €, je crois. Ils sont 59 centimes. Donc autant vous dire que c'est moins cher que. Roulez un peu plus vite, madame. C'est moins cher que chez Action, quoi. Et c'est quoi aussi que je paye vachement moins cher, moitié prix par rapport à ici? Les patines, ça je sais, mais il y a deux autres trucs comme ça. Je ne sais plus maintenant. Les shampoings John Frieda, ça aussi, ils sont à 7,95 € à la place de 12-14 € ici, parfois même plus. Mais ils roulent tous au milieu de la route là, ils ont quoi? Ils ont bu ou? Bon, vas-y, qu'elle s'arrête en plein milieu de la route, là, madame. Et quand je vous dis plein milieu, c'est plein milieu, hein. C'est une place handicapée, madame. Tu ne peux pas te mettre là. Oh là là, il y en a, ça se demandait s'ils n'ont pas eu leur permis. Elle va me contrôler la bagnole, oui. Leur permis dans une boîte de céréales, quoi. Ça roule au milieu de la route, comme si la route leur appartenait, quoi. Incroyable. Pourtant, c'est une route où il y a pas mal de circulation et beaucoup d'enfants ici, c'est dangereux. Voilà, il y a un monsieur qui fait de l'agility là, avec un petit loulou de Poméranie là, donc ça me fait penser à. Enfin, un petit. Je sais pas si c'est un loulou ou un spitz, je vois pas bien d'ici, mais ça me fait penser à Fluffy. Dimanche prochain, moi j'ai maintenant, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Bien sûr, je vais vous en prendre pour mettre dans le concours de Noël, hein. Je vais vous prendre quelques produits. Au moins un gel douche et un shampoing. Au moins, et une crème pour les mains. Je pense, au minimum, ça sera ça. Et voilà. Et j'espère. Mais il va. Oh là 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 là. Mais. Et je dirais à Chéri qu'il se gare plus ici dans le virage, là, parce que c'est dangereux. Hein. L'autre, il vient de manquer d'emboutir la voiture qui est garée juste devant moi. Et j'espère trouver les calendriers de l'avant. Ah, j'espère, j'espère. Notamment le Baléa, puisque hein, c'est chez eux. C'est leur marque, quoi. Et il m'en faut trois. Je vais passer s'ils y sont et que je passe avec trois calendriers de l'avant, les gens vont me prendre pour une tarée. Parce qu'il en faut deux pour Manon, puisqu'elle vous fera un concours. Voilà, je vous spoil un peu, hein, mais elle vous le fera gagner comme elle fait avec l'essence. Enfin, il est trop. Ah, c'est même pas. Je sais pas c'est quoi comme race de chien, mais il est trop mignon. Trop, 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 trop mignon. Avec son petit frisbee. Et j'aimerais bien, j'espère trouver le SI aussi. Ah, bah voilà, chérie. Bah écoutez, je vous reprends quand on est là-bas. Là, je vais appeler Enzo parce qu'il m'a envoyé un message. Voilà. Bonjour, monsieur chéri. Allez, à tantôt. Voilà, on est sur le parking. Je viens d'aller faire pipi derrière le magasin. Donc, ça, c'est le DM. Et juste en face, on a le Kik. Donc ça, je vous montrerai aussi. C'est un peu comme un trafic, action et tout ça. Il y a beaucoup de fringues et c'est beaucoup de bordel dans les fringues, mais la déco est pas mal.
Donc voilà, ah, bah, chérie est là, on a eu du mal à se garer parce que il y a beaucoup de monde. Donc je vais vous montrer l'intérieur du magasin. Voilà. Il est 2h moins le quart et voilà, on rentre. Là, chérie est partie à la boulangerie parce que du coup, on a été faire un tour donc chez Kik, hein, je vous ai montré. On a été voir dans l'autre DM parce que les calendriers de l'avant n'étaient pas là, je suis dégoûtée. Ils rentrent que dans 2-3 semaines, donc il faudra qu'on y retourne le mois prochain. Sauf si je les commande, à ce moment-là, ils arrivent dans, en 2-3 jours chez DM, mais il faudrait retourner en Allemagne. Enfin, de toute façon, il faudrait y retourner. Mais c'est 5 euros de frais de livraison, ça je comprends pas, alors qu'on fait livrer dans leur magasin, quoi, c'est même pas chez nous. Mais bon. Là, chérie, après on a été au Lidl, faire un tour au Lidl en Allemagne, là où on était, à Pearl. Je sais pas comment me mettre. Et il a acheté des Turing, alors du coup il a dit des Turinger, donc des saucisses blanches pour les Français, mais des meilleures saucisses blanches, quoi, des vrais Turinger épicées, enfin épicées aux herbes, c'est des saucisses aux herbes, je crois que vous appelez ça, vous... enfin non, c'est même pas, enfin voilà, des saucisses blanches, quoi. Et pour faire ça dans du pain ce soir, donc très bonne idée, c'est à mon tour de faire à manger, ça m'évite de faire à bouffer, on est contente. Et voilà, là je vais rentrer. Ça m'énerve dès que je frôle un peu mon écran, il y a un truc qui se met en route. On va ranger ce qui est à ranger et je filmerai les hauls soit après ma sieste, soit demain matin. Je ne sais pas. Donc voilà, sur ce, nous on suit toujours. Il est 10h et je suis épuisée. Malheureusement, épuisée. J'ai été me coucher. Riley! Riley, lâche-le! Riley! Viens ici! Viens ici! Tais-toi! Attention! Elle remue la queue, rien à foutre. Tu gueules dessus, rien à foutre. Ryan est venu me réveiller à 3h, mais j'ai déjà été me coucher assez tard. Je ne sais plus à quelle heure j'ai été me coucher. Ah ben là, il me compte de minuit à 7h30,
Mais je me suis réveillée, ouais, j'ai une grande passe de réveil puisque je me suis réveillée de 3-4. Mais ça, c'est pas noté, tiens, c'est bizarre. Ryan est venu me réveiller à 3h, il voulait sortir. Donc après, le temps qui rentre et tout ça, bah, moi j'ai bien café. Je viens de filmer le hall des... Je viens de filmer le hall DM. Donc vous l'avez déjà eu. Riley, stop. Elle vient emmerder ici. Non. Allez. Et ouais, hier j'ai oublié de vous raconter quand on a été chez Lidl. Donc là-bas, hein, il y a des caisses automatiques. Et en fait, la première caisse s'occupe aussi des problèmes s'il y a des problèmes aux caisses automatiques. Donc là, on est tombé sur un. Il ressemblait au youtubeur, là vous savez qu'il a une drôle de tête là qui est chauve et je sais plus comment il s'appelle celui-là. Bref, il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Et on fait le paiement par carte et puis il part aux caisses automatiques. Donc bah, on l'attend par question de politesse pour dire au revoir et tout ça. Il est revenu, il a pris le ticket sans nous regarder, hein. Il a baragouiné en allemand et il nous a balancé le ticket de caisse. Riley, arrête! Putain, il est me pincer quoi. Elle a décidé que le gros pouvait pas aller sur le canapé. Il nous a pas lancé le ticket de caisse comme ça dans le caddie, quoi. Je dis bah sympa. Nous on attendait pour lui dire au revoir bien poliment. Bah non, voilà. D'accord, il y avait du monde, mais ça t'empêche pas de dire au revoir et d'être sympathique, quoi. C'est quand même ton boulot. J'arriverai pas à vous parler. Allô? Voilà, donc maintenant il faut que je réfléchisse pour voir comment faire pour les calendriers de l'Avent. Je pense que je vais les commander, quitte à payer 5 euros en plus pour les faire livrer dans le magasin, je m'en fous. Au moins je serai sûr qu'ils seront en stock et je serai sûr que quand j'irai, ils seront là, quoi. Ouais. Après, il faut que j'attende parce que ça fait 2-3 jours de livraison. Yuki, viens! Yuki, Yuki, Yuki! Regarde. Non, pas toi. Et alors j'ai oublié de vous raconter aussi, c'est pas hier, c'est avant-hier que je vais à la douche. Ils étaient tous morts de rire ici quand j'ai raconté. Je vais à la douche, je profite de l'eau chaude, voilà, je reste 10 minutes sous la douche, bien chaude, j'étais bien et tout. Je coupe la douche et je bug pendant 5 minutes devant la douche, puis je me dis, mais ma douche n'est pas comme d'habitude, je comprends pas, il se passe un truc bizarre. Et en fait, j'avais oublié de me laver. Voilà. C'est quand même fou, hein, d'oublier de se laver en dessous de sa douche, mais j'y suis arrivée. J'y suis arrivée. J'ai oublié de me laver. Un truc de fou. Tout le monde rigolait ici quand j'ai raconté. Et j'ai eu un bug, hein, je vous jure. Je suis restée plantée là, en train de réfléchir sous la douche, toute nue. Je dis, ah, mais j'ai oublié quelque chose. Alors je réfléchissais, je dis, mes cheveux, non, j'ai dit que je ne les lavais pas aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai oublié, quoi? Et en fait, j'avais tout simplement oublié de me laver. Voilà. Pour la petite histoire de ma douche. Donc voilà. Là, je vais prendre mes cachets parce que je me suis rendu compte que j'avais pas encore pris mes cachets. Donc, je commence à avoir beaucoup d'acidité. Je me demandais, j'ai encore rien mangé. Donc, c'est quand même. C'est quand même hyper bizarre. Et bah, c'est parce que j'ai oublié de prendre mes cachets, tout simplement. Voilà. Donc là, je vais prendre mes cachets, je vais manger un bout, aller me coucher parce que je suis crevée. Et surtout, j'irai au foot. Normalement, ma nièce va aller le voir puisqu'elle joue dans son village, là. Et voilà, demain, reprise du boulot et de l'école. Ouais, demain, j'ai la kiné. Mardi, on va chez le médecin pour ça, pour avoir son papier pour la prise de sang, pour qu'il puisse aller à la médecine du travail pour pouvoir faire ses stages. Et mercredi, il a rendez-vous chez l'ORL et chérie chez le dentiste. Et il faudrait bien aller vers la prise de sang de Sam. Donc voilà, début de semaine qui va être vraiment difficile pour moi, même si moi je vais pas aller chez le dentiste et chez l'ORL. Mais voilà,
C'est tous des trucs que je dois penser, à rien oublier, les vignettes, que ça m'oublie pas sa carte d'identité, tout ça. Enfin, voilà. Bref. Bon, bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vais dérusher, remettre charger mon appareil pour pouvoir vlogger avec vous tranquille demain et faire ce que j'ai à faire. J'ai commencé à ranger. Je crève de mal au dos, mais ça c'est parce qu'on a été marcher, enfin parce qu'on a fait les magasins hier. À chaque fois que je marche, après j'ai mal soit le dos, soit les hanches. Et cette fois-ci, c'est le dos. J'en peux plus. J'en ai marre d'être toute foutue comme ça. Je suis cassée de partout, moi. J'ai une vraie mamie. Et il reste 2-3 trucs à ranger, mais ça sera pour après parce que là, fatigue quoi. Là, j'ai vraiment le gros coup de barre. Et je viens de me refaire un café parce qu'il faut que je prenne mes cachets. Donc voilà. Donc après, je mangerai. Et oui, au Lidl, on avait dit avec chérie pour pas les manger quelque part. Enfin, il y a un Burger King hein, tout près, mais pas y dépenser des sous là. J'ai dit, bah écoute, on va aller au Lidl et on va se prendre un petit truc à manger. Ils ont toujours des trucs. J'ai pas pété, hein, c'est ma chaise. Il y a toujours des trucs à manger rapide là. Donc, on arrive dans le rayon, je vois les salades, je dis, oh, elle me botte bien celle-là. Il y avait un œuf dur, il y avait des patates, des lardons et des oignons crispy, là, comme j'adore. La vinaigrette, je dis, bah écoute, moi je prends ça, et puis on va s'asseoir quelque part dans l'herbe ou quoi, autour du magasin, et puis on mange tranquille, quoi. Lui, il n'a rien trouvé, parce que c'était. Lui, il aime beaucoup les warps, mais c'était tout des spéciaux. Et j'ouvre le truc, il n'y avait pas de fourchette pour la salade. Je dis, bah, bah tant pis, donc du coup, je vais manger ma salade. J'en ai mangé un peu hier soir et voilà. Donc j'ai plus de batterie. Alors sur ce, on se dit un jour. Je suis un peu beaucoup tassée là. Mais j'ai tellement mal le dos. Il est 9h20. Ce matin, hier j'ai été me coucher à 19h30. Je me suis réveillée à 22h. J'ai été me recoucher à minuit. Ryan m'a réveillée à 3h. Puis après, je me suis réveillée à 6h30. Voilà, j'ai encore super mal dormi. Mais hier à 19h, je plantais plus rien. Mais c'est à cause de la douleur, je pense. Puisqu'avec la fibro et tout ça, ben, du coup, j'ai un seuil de douleur assez bas. Donc, ben, un mal de dos, ça se transforme en torture. Donc, j'ai été me coucher pour essayer d'oublier le mal. Enfin, la douleur, quoi. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit, ok, aujourd'hui, je filme. Et puis, je suis arrivée en bas, j'ai été faire pipi, je me suis assise pour boire mon café, et j'ai dit, oh bah non, je suis pas aujourd'hui, je suis trop fatiguée. La motivation est partie en 5 minutes, quoi. Mais bon, demain, de toute façon, on doit faire le crash test des produits Pelouis que j'ai eu dans mon colis la dernière fois, que je vous ai montré dans le dernier vlog, et une palette de make-up avec la Dark Fantasy de Beauty Bay. Du coup aujourd'hui je reçois 2 commandes Temu et ma dernière de Shein. Comme ça demain, une fois que j'ai fini le vlog, ben je pourrais. Oui, je fais mon petit ménage en même temps, je nettoie un peu le tabac qui est allé partout sur mon bureau. Attendez, il y a un tracteur qui passe. Camion qui nettoie les gouttières, les gouttières, rigoles, les côtés de la route, ça s'appelle comment? Entre la route et le trottoir, vous savez, pour la pluie, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, voilà, j'ai la kiné ce soir, je vais lui dire qu'elle se concentre sur le bas de mon dos pour une fois parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop mal. Ça m'a frotté un peu de crème. Celle toujours celle de chez Action, hein, vous voyez, je l'utilise bien hein, parce que je peux pas prendre d'anti-inflammatoire. Mais je crois que si ça passe pas avec la kiné ce soir, demain, ce soir avant d'aller me coucher, j'en prendrai un parce que j'ai pas trop le choix. Je peux pas continuer comme ça à être bloqué. Je suis en train aussi de ranger, enfin d'essayer de ranger un peu le bordel sur ma table. C'est incroyable que je ne sais pas avoir cette table rangée quand même. Est-ce que c'est pareil chez vous que tout le monde pose le bordel sur la table? Bon, là, c'est principalement mon bordel, j'avoue. Mais j'ai plein de trucs à monter. Et je pense que... Je ne sais pas si on fera ça dans le prochain vlog ou dans celui d'après, mais
Je vais installer ma déco d'automne. De toute façon, il prévoit 12 degrés le reste de la semaine là. Et à mon avis, on n'aura plus maintenant des belles températures. Donc je crois qu'on est, on est déjà en automne. Hein. Là, il fait 14. Je suis complètement gelé. Il prévoit de la pluie toute la soirée. Pluie mardi, mercredi. Ouais, on est dans les 14 le reste de la semaine. Donc autant vous dire que j'ai déjà envie de rallumer mon poêle, hein, parce que tellement j'ai froid. Donc voilà, aujourd'hui c'est un petit vlog très court. C'était juste pour vous dire que j'étais là. Je réfléchis. Ouais, demain comme ça je filme le haul Shein. Je ne sais pas si je vais avoir ma box Pelouise à temps pour vous faire la vidéo. Donc ça j'intervertirai entre le haul Shein et la box. Riley est déjà déchaîné hein, puis ce matin. Puisque la box est partie vendredi. En principe, il faut une semaine pour qu'elle arrive. J'espère ne pas avoir de frais de douane maintenant, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont fait peur. Il y a Marise qui m'a dit qu'elle avait eu des frais de douane et une autre personne. Sur les box. Ce que je trouve assez bizarre, surtout, c'est le montant que Marise elle a eu. Elle a eu 35 euros, c'est le prix de la box. Alors que il déclare bah, 35 euros. En fait, il ne déclare pas le prix des produits de base. Il divise le montant de la box par X produits qu'il y a dedans et ils font voilà, ça revient, on paye autant le produit qu'on paye. Donc je ne sais pas, c'est bizarre. Mais bref, on verra bien. Hein. Là j'attends, j'ai pris un abonnement de 6 mois, je verrai combien de fois j'aurai des frais de douane si j'en ai, pour voir si je la reprends après. Le montant des frais de douane aussi, si on a. Après je suis contente parce que ma commande, il n'y en a pas eu, donc ça c'est déjà un bon point. Maintenant, le calendrier de l'Avent, je doute qu'il n'y en ait pas. Hein. Ce serait vraiment étonnant. On verra bien. Et voilà. Là, je vais prendre mes petites gummies parce que ça fait un moment que j'oublie de les prendre. D'ailleurs, les Bears with Benefit, là, que j'ai eu en collab, ils les vendent chez DM. Je les ai vus chez DM, mais c'est des plus petits pots. J'ai de nouveau un chat dans la gorge. Faut que je fasse la cage des titis, mais le problème c'est que j'ai tellement mal le dos que je ne sais pas si je vais y aller. Faudrait bien que je nettoie aussi, mais pareil, j'ai tellement mal le dos que là c'est clair que je ne peux pas le faire. Donc voilà, on verra bien. Écoutez, c'est pas propre, hein. Je peux pas faire de miracle, j'ai pas de femme de ménage. J'ai des animaux, j'ai des gosses et un mari qui sont très bordéliques. Donc voilà. Bref. Bon, bah écoutez, sur ce, nous on peut switcher deux jours puisque j'ai rien d'autre de spécial à vous dire. Demain, on crash teste les produits Pelouise et on fait une palette de make-up. Et voilà. Donc à demain. Je crois que vous n'êtes pas tout à fait droit, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Il est 7h30 et on va donc crash tester les produits Pelouise. Donc, déjà, il y a les houppettes. Elles sont trop belles. Il y a la petite poudre pour le under eyes, donc le dessous des yeux. Et la palette d'highlighter. Voilà, voilà. Alors, ça m'est parti attendre son bus, mais apparemment il ne passe encore pas. Il y a des travaux sur le passage à niveau, donc on est bien emmerdé avec ça. Bref, je vais déjà mettre ma base. Je ne vais pas faire tout mon temps avec vous, hein. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc là je mets la chic glam. Et après, je dois préparer les colis. Le colis du concours. J'ai fait le tirage au sort. Et le petit cadeau de Laura, il me semble. Hein, si j'ai pas de bêtises. Parce que j'avais dit que je lui enverrais les petits dessins. Comme ça, j'envoie tout d'un coup. On ira les déposer demain. Enfin, chéri ira quand il ira à l'ORL. Prise de sang pour Sam et tout ça. Et chez le dentiste. Donc voilà pour la base. Elle unifie quand même vachement bien le teint. Je trouve que elle blanchit à la caméra, mais pas en vrai. Je crois que le bus vient de passer. Ouais, bon, d'ici à ce qu'ils me disent qu'il est quand même pas passé. Alors, je vais mettre mon fond de teint. C'est toujours le Micelline que j'utilise, mais là, je crois que c'est la dernière fois. Parce que je suis vraiment au bout du bout.
J'essaye, hein, j'essaye au moins encore pour aujourd'hui. J'ai pas envie de monter en chercher un autre. Donc il n'y aura pas beaucoup de fond de teint. C'est un camion. J'essaye de surveiller en même temps. Hein. Ah, hier, la kiné, ça m'a fait du bien. Elle m'a fait le bas du dos, là, parce que j'avais tellement mal. Ça m'a fait un bien fou. Je suis contente. Donc, voilà pour ça. Et je vais voir ressortir un fond de teint Révolution puisque j'ai terminé le Micelline. Je vous avais fait le crash test. J'ai beaucoup aimé son teint. Je le rachèterai pas forcément, mais j'aime beaucoup Révolution, donc voilà. Oh, j'ai tellement de tétras dimanche. Allez voir ma petite pichette. Alors, je vais mettre mon anti-cerne. C'est toujours le True Skin de Catrice. J'arrête pas de tourner la tête pour voir s'il y a un bus. Un bus notamment. Mickey qui s'étrangle, je ne sais pas quoi. Et du coup, j'ai envie d'essayer de l'appliquer au pinceau, puisque Manon, elle l'applique au pinceau, elle, Manon. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer. Là, c'est le Sigma. J'utiliserai aussi pour appliquer ma base, du coup. Parce que je n'ai pas mouillé de petite éponge. Il faut quand même que je retourne un petit coup d'éponge par-dessus pour bien le smoother. Mais quoi que le pinceau là, il va bien. Je sais qu'elle, j'ai préparé aussi, elle utilise celui-là de Pélouis qu'on avait eu dans le calendrier de l'avant. J'ai celui-ci aussi, elle l'a aussi. Hein. D'ailleurs, c'est elle qui m'a offert celui-ci. Je suis pas fort causante, hein. Mais voyez, c'est, ou alors faut que j'en mette moins en fait de l'anticerne, parce que moi je trouve que ça fait un effet vraiment patchy. Ça s'applique bien, hein, mais en tapotant c'est pas non plus l'idéal. Il vaut mieux le lisser comme ça en fait. Et du coup, ça l'étale beaucoup plus qu'avec l'éponge, puisque l'éponge, ça absorbe. Donc j'aime bien, mais il faut que j'en mette moins. On va voir les prochaines fois. Attendez, j'ai eu un message. On dit que c'est pas les bons bus. Comme par ça. J'ai quand même blendé un peu l'éponge, hein, pour flouter tout ça, parce que. Bon, bah, il me dit à 45, s'il n'y est pas, je rentre. Il se dit là qu'il ne le prendra pas. Moi, je suis épuisé avec celui-là. Donc, je vais prendre l'éponge moyenne, enfin la houppette. Comme ça j'ai poudré mon teint aussi avec, bien que je ne la poudre plus depuis un certain temps avec la houppette, parce que ça assèche trop mon teint. Et oh, on va tester la poudre. Donc c'est exprès pour le dessous de yeux. C'est une brightening. Les Titi, ils font les fous dans la cage. Hein. Donc c'est censé lisser et illuminer. Et ça m'a l'air pas trop mal. On verra mieux avec les éclairages en haut après. Donc je vais poudrer toutes mes zones de lumière. Ils sont en train de manger leur maïs. Ça
a l'air de bien flouter en tout cas, je trouve. Bon, forcément, ça rentre dans mes rides de front. Comme d'hab. Je trouve expressif du sourcillon. Bah écoutez, elle m'a l'air pas mal, elle a l'air bien lissante, je trouve. Oh, il va me pomper, je sais pas pendant combien de temps, lui. Alors, je vais poudrer le reste de mon teint avec la Berry Sweet de Option, tout simplement. Attendez, parce que j'en ai plus beaucoup dans le tamis. Elles sont interminables, ces poudres. Franchement, pour leur prix. Je vais essayer de ne pas en mettre de trop, parce que d'habitude, je ne mets pas mon pull avant d'avoir fini mon teint. Je fais toujours avec mon pyjama, parce que comme ça, si j'ai de la poudre qui vole, ben au moins, j'en ai pas partout. En tout cas, les houppettes, elles sont hyper agréables. J'espère qu'elles tiendront bien à la machine. J'allais dire, oui, la poudre, elle sent bon. Forcément, c'est celle du Action. Je suis un peu con. Alors, je vais bien flouter tout avec mon gros pinceau. Et je vais repasser un petit coup de fond de teint poudre avec le Chic Dame. Pour tout mousser. Ouais, elle est bien lumineuse, sa poudre. Bon, c'est clairement pas le genre de truc que je rachèterai après. Hein. Voilà, j'avais envie de dépenser mes sous chez Pélouis. D'ailleurs, en toute logique, j'ai de nouveau pas de frais de douane pour ma box, donc je suis contente, parce que vous m'avez fait peur. Et par contre, oui, pour ma commande, maintenant, on me disait, j'espère que tu n'auras pas comme moi les frais de douane après. Elle les avait eu après, je ne sais plus, pour le calendrier de l'avant de l'année dernière. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. On va passer au pourvoyeur que je ne sais plus où j'ai mis. C'est un bordel sans nom, là, sur mon verrou. Donc je mets le Nabla puisque c'est celui que j'ai dans mon petit panier pour l'instant. On se fera bientôt une rotation pour ressortir les produits d'automne, notamment les blushs, hein. Il n'y a que les blushs que je change en règle générale. Blush, bronzer et highlighter, le reste je garde toujours la même chose. C'est pour ça que je vous fais plus de rotation en vidéo, ça sert à rien pour vous montrer deux blushs et un highlighter. J'ai l'impression que je commence à bien creuser, enfin lui il est bien creusé, mais on commence à voir la forme du pan. Il est bien creusé. Après, je vais filmer un haut, j'espère que les titis vont se calmer, que les chiens vont pas foutre le bordel. Je blend. Et en bleu, je vais utiliser celui que Manon m'a offert dans le dernier swap qu'on a fait. Aujourd'hui, je reçois une commande... Ben, je reçois Nox, mais ça on en parlera dans le prochain vlog parce que la promo elle commence pas maintenant. Et j'ai commandé une roue en bois pour les titis, pour plus leur mettre leur disque là, qui prend toute la place dans le fond de la cage. Donc je verrai s'ils vont dedans. Je l'ai commandé sur Amazon. J'ai commandé hier soir, je l'ai aujourd'hui. Ce petit blush, là, comme il est sympa.
Et j'en rajoute un. Voilà. Et on va passer à l'highlighter. Donc j'avais déjà fait les swatchs dans un précédent vlog. Je vais y arriver. Alors je vais mettre celui-ci. J'ai envie de mettre celui-ci. Alors, c'est clairement des paillettes. Hein. Oh, oh, j'adore ça. Je vais avoir des paillettes partout, mais j'adore ça. Oh là là. Oh, que c'est beau. Vous pouvez même vous en servir pour mettre sur le corps, dans les cheveux et tout, tellement c'est hyper fluide. Je sais pas si vous allez voir, les paillettes, elles volent. Oh, j'aime beaucoup. Donc voilà pour notre petit crash test. Bah écoutez, je suis trop contente. Et même rien que sur les yeux, hein, ça, un petit fard mat en dessous et puis bam, c'est fait. Donc ce que je vais faire, je vais faire mes sourcils, fixer mon teint, mettre ma base. Ah bah non, on doit tester le fixateur. Donc, je vais tester le fixateur maintenant. Imbécile, j'avais oublié celui-là. Donc on va déjà l'activer. Oh, ça a l'air super léger. Il sent bon, il est super frais, il est super le spray est super fin, j'aime beaucoup. Ça fera bien tenir les paillettes, surtout que j'en ai partout. Voilà, bah écoutez, je suis ravie de mes petits achats. Donc la deuxième que j'avais, je vous l'ai mis de côté pour le concours de Noël, hein. Et voilà, donc bah écoutez, on se retrouve en haut pour une palette de make-up avec ma petite pichette qui est sur la Dark Fantasy de Beauty Bay. Et on va partir sur un smoky bien dark. C'est ce que j'ai envie aujourd'hui, un smoky bien dark. Donc on se retrouve en haut.
voilà, vous avez pu voir comment ce coiffeur a smoky. C'est pas mon jour. Je vous avoue, c'est pas mon jour du tout. Après, je vous avoue que j'ai une grosse chute de morale ces derniers temps. Entre la douleur, la fatigue, le temps qui est dégueu, franchement, j'ai une grosse chute de morale. Quoi, voilà. Une chute de motivation, de morale. Et là, en plus, ben, ça me dégoûte. Quoi. En plus, ça a bien accentué ma petite tache pigmentaire ici. Ça a bien fait une belle tache sur mon nez. Après, ça va parce que comme j'ai les lunettes, ça se voit pas. Mais bon, voilà. Après, j'avais envie d'un smoky. Donc, j'ai fait un smoky. Là, j'ai un peu bavouillé aussi. Donc, voilà. On me disait la dernière fois que je ne foirais jamais mes make-up. Mais si, vous voyez, ça arrive. Ça m'arrive même très souvent, mais je ne coupe pas parce que bah, ça arrive à tout le monde. Vous voyez qu'il y a toujours des petites astuces pour essayer de limiter la casse. Après, bon, bah, si comme moi, vous avez ce genre de truc, moi je vous conseille de refaire votre teint, hein, de démaquiller votre teint, de le refaire si jamais vous devez sortir. Moi, je ne veux pas sortir, donc je m'en fous. Mais voilà, c'est pas mon genre. Ici aussi, ça a fait... Après, c'est vrai que j'avais zappé à quel point cette palette est pigmentée. Enfin, les fards Beauty B sont pigmentés. Et c'est vrai que ce fard est assez chuteux à cause des petites paillettes, des micro-paillettes à l'intérieur. Mais enfin, vous arrêtez 5 minutes, là. C'est pour ça que j'ai tourné en musique, hein. C'est à cause d'eux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais utilisé quasi que ces teintes-là, Bordeaux, depuis que je l'ai. Donc là, je me suis dit, je vais... Après, celui-là, j'avais déjà utilisé, hein, mais pas en vidéo, je crois pas. Oh, il m'énerve. Donc j'avais très envie d'un smoky de toute façon de base. Donc quand Manon a choisi la palette, j'étais trop contente. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que vous avez sa vidéo de son make-up en barre d'infos, puisque c'est une palette de make-up. Donc il y en a un chez moi, un chez elle. Et voilà, j'aime toujours autant cette palette. C'est pas ma préférée. Je préfère vraiment la Book of Magic, c'est vraiment ma préférée. Et la Age of Opulence. Et puis après, non, d'abord la Wilderness, et puis après celle-ci. Voilà. Mais c'est mes quatre préférées. Les autres, je ne les ai pas gardées parce que c'était trop soft pour moi et ça devient très redondant, ces petites palettes-là. Donc, voilà, je ne les achète plus. Voilà, tout simplement. Donc, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Manon, d'ailleurs, celle qui va vous annoncer la prochaine palette pour dans 15 jours. Et voilà, ce qui conclut ce vlog... On finit pas sur une note très positive, aussi bien en morale qu'en make-up. C'est pas le meilleur make-up que j'ai pu faire. Hein. Voilà. Bon, si les yeux, hein, si vous cachez le teint, hein, les yeux, c'est très bien. Les yeux, ça va pas du tout, ma chérie. Après, c'est vrai que j'ai une autre base. J'ai pas pensé à ce détail non plus. J'utilise la base de chez Gloss God en ce moment. C'est Gloss God ou Glam Shop? Non, il me semble que c'est la Gloss God. Enfin, c'est un des deux qu'on a eu dans le calendrier de l'avant l'année dernière. Et je l'aime beaucoup, sauf que c'est vrai qu'elle accroche beaucoup moins les fards. Donc, ceci explique aussi cela. Et puis bon, bah, j'ai certainement pas assez... j'ai prélevé certainement trop de pigments d'un coup, trop de fards d'un coup, et ça a chuté, mais bon, voilà. Mais j'avais pas pensé à la base du tout. Donc sur ce, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de ma petite bichette, de lui laisser des gentils commentaires, des pouces en l'air et de vous abonner à sa chaîne. Et tout pareil ici, pouce en l'air, on s'abonne. Dites-moi en commentaire si c'est pas trop dégueu, voilà, si vous aimez vous aussi les smokies. On rentre dans l'automne là pour moi, hein. Ça y est, c'est l'automne, de toute façon on y est bientôt. Je pense que dans le prochain vlog, on va installer la déco d'automne d'ailleurs. Voilà, j'ai envie, j'ai très 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 envie. Je me retiens depuis 15 jours, 3 semaines, moi, voilà. Donc sur ce, et ben moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.